Show. Je m'appelle Didier Fermant et je suis maître de conférence en informatique. Donc ça n'a aucun rapport avec artiste. Alors l'œuvre, elle est basée sur la musique éolienne. C'est quelque chose qui est plus vraiment connu, qui existait il y a fort longtemps. Et donc là, on va utiliser le vent pour obtenir des harpes éoliennes. Et donc les gens pourront jouer avec ces harpes, ainsi que le vent. La musique éolienne, j'ai découvert qu'en fait j'étais dans le monde du cerf-volant. Donc il y a tout un panel de festivals en Europe, dans le monde, et il y a du musique éolienne embarquée sur cerf-volant, puisque le vent est très propre en l'air. Et à partir de là, on a retrouvé les techniques traditionnelles de musique éolienne, et on a développé ce qu'on appelle des jardins du vent. Pas le vent propre, c'est un vent laminaire. Quand on regarde le flot d'une rivière, au centre, il y a les filets d'eau qui sont bien propres, bien parallèles. Et par contre, dès qu'il y a une pile de pont, un obstacle, en fait, on a des turbulences. Voilà. Et dans les turbulences, il peut y avoir de musique éolienne.